the story so far. Is that you? I won't let you go! It's too late. Bonjour à toutes et toutes. Et je suis en train de remarquer que j'ai merdé. Merde, j'ai complètement oublié de changer la date, de préparer le titre et la... Oh là 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 là, n'importe quoi moi. J'ai déjà tellement envie de me changer les idées que... J'y vais tellement baba cool que voyez-je... J'assure même pas le service minimum, c'est scandaleux. Ah oui, puis c'est la partie 2 aussi, il faut que j'éclaire, c'est vrai. Hop là. N'importe quoi. C'est du Final Fantasy. Eh bien... Bon, bah visiblement, je viens de voir que je suis le seul à émettre le jeu de sur notre petite planète. Il y a zéro spectateur. Ah, j'avais noté quelque part là où je dois me rendre pour trouver le... Merde, où sont mes notes? J'ai dû les laisser là, la sauvage. Où exactement? Je ne sais plus. Voilà, livre là. Merde, commence à être déchiré, faut que je fasse gaffe. Ah, attendez, on va faire comme ça. Oh, je vais même pas regarder. Mon téléphone, il s'allume encore. Ouh, il a plus beaucoup de batterie. Ah, mon téléphone n'a plus beaucoup de batterie. Merde, il faudrait que je le branche pour qu'il se recharge. Voilà! Alors, 30 secondes, attendez. En fait, j'étais tellement enthousiaste et motivé à l'idée de lancer que, je me rends compte, vous voyez, j'ai honteusement lancé trop tôt. Et il faudra que je me relève, je vais aller brancher mon téléphone parce que ça me ferait suer de... qui s'éteigne. Tu peux me faire des mauvaises surprises quand il redémarre. Oui, écouteur. Voilà, pardon. Tac, ça c'est bien. Voilà, là je suis à peu près bien pour jouer comme d'hab. La manette, elle est là. Donc, j'ai... Merde, j'arrive pas à dire. Neon Bottom en 3AC. Neon Bottom en 3AC. Ah bon? C'est le scénario du tout début. Waouh. Bizarre. On va aller voir, mais surprenant. Surprenant.
Oui, j'allais dire, qu'est-ce que fait Noël? La carte était... oui, trouver les cœurs de graviton. Là. Oui, on est bien d'accord, le truc a été exploité. Oh merde! Pauvre. Non, mais il n'y a plus rien. Par pure méchanceté! Ouais. Non, il n'y a que plus. Coucou. Toute une scène. Des choses dans le décor, c'est. Et il faudrait que je me barre à l'opposé. Là, le cratère. Oula. Sunrise to sunset, it's a hard job. Ah si, y a déjà du monde. Y a déjà du monde. C'est sûr qu'en revenant dans la zone du tout début, j'ai un petit peu monté de niveau entre temps. Je sens qu'il va y avoir que des combats éclairs. Comment... Attends. Puis lui, je sais pas s'il s'excite ou pas, Mog, là, avec son truc lumineux. Y'a rien. Non, on avait déjà fait... Enfin, bref. Mais comment je reconnais les soi-disant cœurs de graviton? Est-ce que d'apparence... Ah, portail d'après... We
Il y a quelque chose d'assez enivrant d'avoir cette supériorité, je ne sais plus parler français. Insolente là de. Voilà. Deux baffes à l'ennemi et hop, y a plus rien. Oh là 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 là. Bonjour FunFan. Ouais, lui est un peu plus costaud. Eh ouais, j'avais pas le ce Pokémon là dans mon bestiaire. Ok. Mais non! Je recharge ma partie parce que je vous explique pourquoi. Là, je suis pas content. Heureusement que je suis dans une portion de jeu où je me promène. Là, j'ai accidentellement fait appel au chocobo et là, il faut des fruits. Là, j'en avais 5 de trucs mûches. Yashai, là, je sais plus comment il les appelle. Je veux les garder précieusement, forcément, parce que je sais que plus tard j'aurai des zones que j'aimerais éviter les combats, parce que les ennemis sont trop balèzes. Et là, je me suis fait avoir. Ça me bouffe. Bah tiens, vous avez le résumé. Tu parles d'un résumé? Oh la vache. Après tout, ces épisodes. Bon, on y retourne. Attendez, je ne sais même plus comment qu'on fait. Ah. N'importe quoi.
Ah, les robots costauds. Les robots costauds. Oui, je snob même le combat. Je me barre. Voilà. I see you guys are still alive. Slightly tattered, but alive. At least the journey's educational. Hey, terrible. Speaking of snow, where is he anyway? It's been a heck of a long time since he left. I want you to teach me more about science. What is that? Remember, if you ever need a break, come by the Nora house for a cup of tea. C'est apprécié. Les fameux cœurs de graviton. C'était quoi ça comme miroir? Je sais plus. C'est un truc, je sais plus c'était quoi son utilité. Là pardon, on se croirait presque dans un Disney. Hein. Miroir, mon beau miroir. Attends, pardon, le chat. Je peux pas passer par là? Ah, le niqueur de graviton, mais où est-ce qu'il est? À quoi il ressemble? Ça c'est un autre chat. Sympa là, le coin table jardin pour être peinard, j'aime bien.
J'aime bien le 4, j'aime bien l'emplacement. Mais je ne suis pas là pour ça. Oh mais merde. Yuvré. Ok. Tout ça pour ça. Oh la vache. C'est psychédélique. Hein. Faut le voir comme un tableau. C'est bizarre, le panneau jaune, je me souvenais pas. Comment je fais leur histoire de cœur de graviton? Je suis en train de tourner en rond comme un idiot. Y a rien de caché dans la demeure? Bon, y a... je pense pas qu'il y ait un ordre à les trouver dans les différentes époques. Je peux me rendre dans n'importe quel endroit de l'espace-temps qui m'a été indiqué, ou je reste dire indexé pour les trouver, des soi-disant cœurs de graviton. Oh, la grande question, comment je fais? Et ce miroir magique qui ne sert plus à rien, c'est scandaleux. Trouver les cœurs de graviton, voilà, on voit mon objectif dans l'interface de jeu, mais... Ouais, les chocobos, là, demi et deux. En même temps, il me dit, t'as exploré 95%. Où sont les 5% qui me manquent? Ah là, bon, c'est aussi ridicule que ça. Voilà. Ouais, voilà la portion que j'aurais pas explorée si j'en suis. Oui, 98%. Oh, mon Dieu, ça fait peur. Ah, après j'ai plus vraiment de partie sombre sur la carte. La supposée sombre que j'aurais, bah, ce serait dans la... littéralement dans la demeure là, non? Attends, ce serait quoi? Non, c'est la table. Je suis pas allé là, c'est ça? Ah oui, explorer 100%. Je m'étais pas rendu sur la terrasse avec la table, ok, de déjeuner. Je peux affirmer avoir exploré toute la carte. Après tous ces épisodes. Mais il est bizarre le jeu, vraiment, il y a des trucs qui sont bancals. Like you've been through a lot.
Ah, ça, pour s'endurcir, elle s'est endurcie. Hein. Elle ressemble à sa grande sœur. Lightning. À mon avis, les deux de front dans un combat, elles font mal. Elles font bien, bien mal. Les cœurs de graviton, où est-ce que je peux les trouver? Oh là 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 là. Trouver les cœurs de graviton, je fais comment? Ah, c'est pas possible. C'est tout sauf clair. Leurs indications. Oh, une bande de trollolol. Quoi ça correspond là-bas? C'est bizarre. Ou alors c'est parce qu'il y a un attroupement de personnages, c'est ça? Ah, c'est les gamins qui jouent entre eux. Ouais. Voilà pourquoi. Cœur de graviton. Ou alors, c'est des lieux supposés par Hope, mais il y a des moments où il a peut-être faux dans sa théorie. Bestiole. Oh, sympa, une queue de phénix, c'est apprécié. Oui, bon montage à toi, Funfan. Oui, oui, y a pas de souci. Tu fais bien, tu fais bien. D'ailleurs, dans mon interface technique à moi, je sais plus, ça fonctionne mon machin? Oui, ça fonctionne. Comme parfois j'ai mon clavier avec les touches personnalisées qui répond plus là. C'est quoi le panneau? Ouais. Pff. Final Fantasy, faut même plus chercher à comprendre à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Neo Bodom 3AC. Oui, je suis à la première localisation espace-temps recommandée par Hope pour avoir les foutus cœurs de graviton là. Alors comment on fait pour en récupérer? Putain, mais elle le fait exprès. Oh, c'est rare.
Non, je vais pas aller sur le chocobo. Mais c'est quoi ça? On dirait presque un accès à la verticale, à je sais pas quoi. On est d'accord qu'il n'y a rien de particulier. Non, il n'y a rien. Bizarre autant qu'étrange, mais Final Fantasy oblige. Là aussi, on est d'accord, il n'y a rien. Ah si, attends. Ah, c'est le machin là. Alors, j'ai pas fait exprès plan de caméra, mais là, c'est très beau. Ça mérite... Oh, j'ai plus de voix. Ça mériterait... Oui, c'était donc là, c'est ça. Ça mériterait capture d'écran. Ils sont tous beaux, là. Ils sont magnifiques. Le cadre est superbe. D'accord. Donc, le cœur de Graviton était sur un présentoir. Et voilà. Et bédillon. Oui. Alors, il m'en faut 4. J'ai eu le premier qui était offert par la maison, hein, évidemment, dans la zone, la première, la plus facile. C'est cadeau. Au moins, je sais à quoi ils ressemblent et visiblement, à peu près, où je peux les trouver. Si à chaque fois, il y aura un piédestal qui les présenteront. Alors, prochaine étape, j'aurai les ruines de Brescia en 5 AC. Ruines de Brescia... Ah ben voilà. C'est parti, mon kiki. J'en ai aucune idée, hein, je peux pas faire d'estimation, mais si j'arrive aujourd'hui à faire les 4 cœurs de Graviton, ce sera un miracle. Parce que j'avancerai dans l'intrigue, là. Je rappelle que c'est ma quête principale, hein, les cœurs de Graviton. Ibi. Et là, je suis bien content d'avoir pris note sur le papier de... des précieuses informations, parce que sinon, j'y serai encore. J'y serai encore. Alors, ça ressemble à quoi ici? Je sais plus. Ah oui, puis j'avais des quêtes secondaires que j'avais pas honorées, je crois. Trouver le transmetteur, trouver le pétale d'argent. Wow. Vous savez quoi? Je vais faire une fouille méticuleuse. Je vais vraiment aller partout. Putain, déjà j'ai un ennemi. Non, mais il faut qu'ils arrêtent. Je vais ouvrir grand mes yeux parce que... Ouais, non, là, y a rien. Et là, le mec, il fait... Mesdames et messieurs, un cul-de-sac. Attends.
Là, pareil, cul-de-sac. Ah, un petit ennemi. C'est bien si les perturbations spatiales s'est dissipée. Il faut dans les yeux au niveau de tous ces lieux. Je sais pas du jeu. C'est bizarre, j'ai une réminiscence de souvenirs. Vous vous souvenez du diable, enfin celui que j'appelle le diable, qui est l'homme poisson, vous savez, dans l'imperméable avec le couteau, la lame là, qui vous plante. Et j'avais cru comprendre, je l'appelle le diable parce que j'avais cru comprendre que c'était un ennemi. Vous fait comprendre que vous n'êtes pas censé être là et vous êtes condamné à mourir. Et je crois que j'avais clippé le moment là, mais j'ai pas souvenir que ce moment là se retrouve dans mes compiles. Et je suis mis par douter. Je suis mis par me dire s'il n'y a pas des clips que j'ai merdé, que j'ai pas. Ils m'ont échappé. Je les ai pas mis dans mes compiles et ils sont entre guillemets dans l'oubli. J'ai un gros doute. Enfin, vous me direz, j'ai une compile de prêtres qu'on a toujours pas regardé. Donc j'espère que c'est dedans, mais je m'en souviens pas. Enfin, le montage remonte déjà à un paquet de jours, donc. Petit à petit, ma mémoire s'efface. Enfin bon, bref. Ah. C'est quoi qu'il voulait, lui ? Bon ben voilà une quête secondaire Vitali Lyrica. Lyrica, hein, pas Litrica. Qu'on embrasse. Qui est généralement du côté de Dragon Sky qu'on embrasse aussi. Oh, je sais plus où aller, tellement qu'il y a de trucs à faire. Y a rien qui ressemblait à un piédestal qui pourrait conserver un cœur de graviton par hasard. Oh la vache, y a tellement de trucs. Attendez que j'observe la carte parce que. Oh là 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 là. Ouais, je vais faire au mieux. Paradox. I don't want the investigation. Yes. Yes, sir. C'est
pas mal, hein, les richesses des environnements de Final Fantasy. Vous voyez, j'en arrive à faire des 360 degrés, à bien observer le décor pour trouver l'objet que je recherche. C'est dire la richesse de composition graphique de l'endroit, virtuellement parlant. Oui, 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 oui. Walking around in the rain wasn't the best idea. I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. Quelle idée de parler chanter sous la pluie, hein? Ouais, c'est une énorme main de robot en fait. Si vous regardez bien, c'est une main de robot géant. Le créateur. Bon, je rigole, mais c'est pas ça qui me donne la position du dit cœur de graviton de mes deux là. Je le trouverai un jour, je le trouverai. Je suis un peu en mode chasse aux œufs de Pâques. Alors, j'ai passé le cap symbolique du fan de plus de 700 vidéos publiées sur YouTube. Ouais, DJ, c'est bien de proposer du contenu. Chez Bao, c'est de la création artistique, fan. C'est ça qui est bien. Oh la vache, le morceau toi. It's a final. La 666e, c'était un live sur 200 froid. El Diablo. Eh ben c'est beau s'il est heureux de satisfait de la vie qu'il mène actuellement. Mog est à l'honneur. Bon, bref. C'est quoi l'affiche? Wow! Il y en a un qui fait un moonwalk sur le banc là. Oula! Ouais, j'allais dire. Attention. On a déjà eu le coup de la gamine qui jouait dans les escalators là, c'était trop drôle. Oh la vache, il y a tellement d'endroits. Oh 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 oh! Comme quoi, faut avoir le coup d'œil. Ouais, et puis il faut que je mémorise parce que quand il s'excite. Là, on peut le dire, il est super lumineux, Mog. Mais c'est une sphère que j'ai détectée. Mais jusqu'alors, elle m'avait échappé. Hein. Ah là 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 là! Un analyseur, ah, très bien. C'est le truc qui manque, j'ai envie de dire, dans cet opus. Analyser les ennemis. C'est ce qu'on appelle littéralement un bazar. Hein. C'est. Enfin voilà. Ouais, non, je ferai rien d'autre de plus.
That girl sure is going places. Huh? What does that mean? Am I going to snap? Oh, les dialogues. Les vestiges antiques. Tiens, d'ailleurs, d'après la carte, j'ai exploré que 97%. Mais oh, autant dire que j'ai tout exploré. Il faut qu'ils arrêtent la déconnade. Faut arrêter la déconnade. Comment je fais d'ailleurs pour aller. Oh, c'est lui qui m'a mis le grappin dessus, le salopard. Je l'ai vu, il a griffé le fessier à Miss Sarah, le vilain. Double coup de foudre. Burp. Stylé. Oh, pour une fois que je vais intervenir de mes Pokémon. Je sais pas comment. Ah oui, si, attendez, pouce, pause. Attends, et je peux pas. Faut que je fasse tomber les. Non, pardon, Mog, excuse-moi, c'est pas ça que je voulais faire. J'étais prêt à te projeter, mon pauvre. Contrôle le pilier pour te faire tomber. Pimp. Le malheureux n'est pas assez lourd. Et je peux pas aller là. Putain, c'est terrible quand même. Oh là 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 là. Le mystère des cœurs de gravitone. Moi j'ai un antidote. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah bah voilà. Il est comme délirant le Pokémon que j'ai, la espèce de tétard à fleurs, parce qu'il a, il gesticule, mais il a Parkinson élevé au carré tellement qu'il tremble. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Il y a une vendeuse là. Mmh.
C'est bizarre, je me souviens pas de l'endroit. Ce corridor là, c'est con, mais. Enfin, c'est idiot, pardon. Mais je m'en souviens pas. Oh, mais ils sont chiants, les. Oh. On va essayer de leur mettre le grappin dessus, ils sont terribles. Par là, ah, puis la quête secondaire, une autre, elle est loin là-bas. Ok, ou attends, on change de. Oh, ça y est. Portail ici, putain, je me souviens même plus. Ah, j'ai un trio qui danse la tectonique là. J'aurais la prétention de dire que j'ai réalisé la perfection. Je pense pas que la bataille pouvait se dérouler plus vite. Aussi rapidement. Ouais. La bataille falsée. Ah non, alors je ressortirai par là si j'ai pas. Satisfaction. Oh, ils sont d'un chiant, les machins. Ouais, non, il n'y a pas de. C'est pas par là. En mode, comment qu'il se la pète? Trop facile. Où je suis. Ah, je suis là, d'accord. Ok, oui, bah je vais aller par là. Oui, c'est reparti pour un tour en fait. L'idée, elle est là. Could be this paradox effect.
Ouais, le mec de la quête secondaire, je vais aller le voir. Ah non, j'ai pas trouvé. Ouais, il faut aller ouais, dans le la portion paradoxe, on sait en hiver. Ok. Et revenir ensuite ici, la lui donner. Oh la vache. Attends, je vais un peu vite en besogne, moi. Y a pas quelque chose qui pourrait correspondre à un piédestal de cœur de graviton, là? Je vais un peu vite en besogne. Il me bouffe tellement les ennemis que je finis littéralement par les ignorer. Ah, lui il ne veut pas. Il tient absolument à en découdre. Voilà. Voilà ce qui leur en coûte. C'est où que ça se passe? Parce que si je me barre vers là-bas. D'accord que c'est pas le pupitre. Ah,
cette partie de pas de cache-cache mais d'œufs de Pâques, là c'est un truc de fou finalement. C'est vraiment loin d'être simple, hein. Ils ont bien pensé leur truc. Je commence à avoir le doute qui s'immisce dans mon esprit, dans le sens. Tous les cœurs de graviton ne reposent pas forcément sur un piédestal. Alors, avoir le coup d'œil pour voir l'objet translucide, hein, effet déchirure espace-temps, vas-y toi. C'est un sacré jeu de chasse aux œufs de Pâques. Ah merde, homme. Le gémissement de Noël, génial. Hugo. Allez, un petit cri fatal. Envie de le faire, il est rigolo. Merde, je sais plus, j'ai merdé. Je comprenais plus les touches là. Ah bah le cri fatal aura suffi. Eh bien, les Pokémon qui est à l'honneur. La rigolade. Oh, merde. Oh là 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 là. C'est pas là-dedans. Qu'est-ce que je fais? Je repars dans un portail pour voir ce que ça occasionne. Est-ce que je l'avais emprunté ce portail? Où est-ce que je vais aller? Tant pis, hein, je pars je me considère en échec. Je sais pas. Je referai un tour plus tard. C'est trop bizarre. Il y a les côtes de Sunset en 400 là. Attends, j'ai rune de Brécha en 5 et j'ai rune de Brécha en 300. Oh la vache. Les côtes de je sais pas quoi là. Non. Ah, les cônes de Sunlet, ouais. Il y a ça. Alors, les côtes de Sunlet en 400. Merde, c'est en 300.
Ah merde. Merde, merde, merde. Le village Orba en 200. Le village Orba en 200. Ah, c'est ça. Orba en 200. Ok. Ah, voyage, voyage. Je me rappelle, j'étais pas content ici. J'étais pas content parce que on voyait qu'il y avait un truc translucide sur le toit d'un bâtiment et j'arrivais pas à envoyer Mug me le récupérer. Il tombait comme un caca en dehors du toit où il faisait des rebonds pas corrects. Le pauvre se prenait, se mangeait des beignes partout et à aucun moment je parvenais à récupérer ce que je voulais. C'était le toit du bâtiment là, je crois. Ah ouais. J'avais oublié cette frustration. C'était là. Merde. Évidemment, faut que j'ai des ennemis. Évidemment. Alors ici, ils sont forcément plus costauds. Ouais, on voit un truc. Oh le... Oh, eh, c'est du foutage de gueule. Vraiment, on va pas se mentir. Pardon d'être cru dans le propos, mais... Voilà, là, il rebondit mal. Donc le pauvre, il gémit et il se ratatine en contrebas. J'ai l'impression qu'il faille trouver l'angle de tir en fait. J'essaie de voir avec la perspective où exactement l'objet translucide. Là. Mais comment bien lancer le pauvre Mog? Bonjour Néné. Comment je peux faire?
À moins d'avoir un angle de tir plus en diagonale. Ah, ça va, merci Nayane. Bah écoute, il fait, on revit hein, après le passage des orages. Je présume que toi aussi. Putain, mais c'est injouable leur truc. Oh, c'est injouable! Attends, c'est débile parce que si je me présente à cet endroit. Oh merde, Oum! Ils sont où les niveaux d'ennemis? J'espère que tu vas bien aïonner avec Réglisse. Oui, ça veut dire qu'il a merdé son... Il y a eu un peu de tombe ce matin, ouais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon là je suis dans la phase chiante de mon jeu. Où j'arrive pas à lancer Mog et à récupérer l'artefact. Je comprends pas ça. Dit non alors qu'il y a l'artefact en face. C'est quand même fou. Ah! Mais non, mais il se paye de ma tête. Il est tombé hors du bâtiment. Tout ça parce qu'il n'y a plus de rambarde. Mais on voit qu'il y a un truc, bordelôme. Bah oui, il fait la tronche, bouh. Bah oui, mais... t'es marrant, toi. J'aimerais que tu me récupères le truc qui translucide sur le toit. Merde, je l'ai encore envoyé dans le décor. Mauvais tir. Mmh. Ah oui, ouais. Ouais, alors j'aime bien ton info technique là, le coup de Windows 11 aura la norme Wi-Fi 7 et pas Windows 10 pour les futures box. Moi en plus ma box j'utilise en filaire, alors je me suis programmé sans fil pour roue de secours, mais je suis très bien en filaire, alors tu vois. Non mais là où je peux pas en vouloir à Léotex, c'est que dans la formulation, évidemment, il étudie au terme près les mots employés pour les accroches de titres, pour attirer le public. Hein. Il y a des... Oserais-je dire, il y a toute une science qui est développée là-dessus pour accrocher le client.
Le phénomène putaclic, comme on le nomme de manière crue sur Internet en France. Puisque ça vaut rémunération. Faut bien achalander le client, comme on dit. Bon, cette quête est en train de me courir sur les roubignoles, là, parce que c'est d'un nul. Tu vois que l'objet te tend les bras, là, il est devant tes doigts, tu le caresses, mais tu n'arrives pas à le saisir. C'est extrêmement frustrant. Et il n'y a rien qui t'indique comment faire pour l'avoir. Je peux pas sauter sur le... Ben non, elle saute pas, hein. J'avais fait des tentatives de Lara Croft avec la Miss. Évidemment, avec elle, ça fonctionne pas. On peut pas rentrer dans le bâtiment. Oh merde. Je vais le balancer par le côté opposé, le pauvre Mog. Oh, ce serait d'un ridicule. Je peux toujours essayer, je l'ai pas encore fait, mais bon. C'est pas logique. Ah, ça me bouffe. Non, bah, je peux même pas l'envoyer. Ah, ah, ce sadisme. C'est là où il va me le trouver, cet abruti. Ah là là. Attendez. C'est quoi ça au sol? C'était son robot. Là, il y a une Chocolino, là. L'air bon du comment. Ah merde! Je l'ai balancé par-dessus la rambarde. Mal visé, dommage. Ah! Le rebond fait long! Qui fait qu'il passe par au-delà de la rambarde, c'est...
Ouais, torture de Mog ce dimanche matin. On est d'accord qu'elle peut pas sauter sur le... Attendez, je vais vérifier à deux fois parce que le dessin de la carte est traître en plus. C'est tout sauf clair. Là, on est d'accord. Ah si, elle peut sauter. Mais elle saute dans le vide. On peut le dire littéralement, c'est reparti pour un tour. Je peux pas. On voit bien qu'il y a le tas de sable qui est en forme de tremplin. Voilà, mais si je demande à. Hop, non. Ah, je me suis trompé de touche, pardon. Attendez. Là, ça y est, je suis bloqué. Oui, c'est la touche là pour le saut. La mea culpa, c'est moi qui me suis planté de touche. Ouais, que je pense à la touche con. Non. Non, je suis là. Non, je peux pas envoyer Mog à la verticale. Attends. Voilà, il veut bien repartir. Ah non, mais je suis trop bas là. Le pauvre. Ouais, non, là tu trouveras rien, là je te l'accorde. Ah, qu'est-ce que c'est. C'est nul, hein. C'est nul. Je vais y passer 4 heures pour avoir le machin. Ou alors, exceptionnellement, je vais taper la requête sur internet. Final Fantasy, Village Orba, 200 AC, cœur de graviton. On fait comment, point d'interrogation. Parce que je le vois, mais je peux pas l'atteindre, donc... Ah, c'est dommage qu'elle... Ah, ça va chercher loin, là. Ah, presque! On y a cru! Ah ah ah! Non, non, dans l'angle, c'était pas mal, hein, l'idée me plaisait. Aïe! Merde, je vois plus rien. Ah! Il est peut-être dessus. Je ne le vois plus. Non, non, il pleurniche. Non, il n'y a rien en dessous. Ah! Le chocobo qui va en découdre. J'adore la mandale, on a entendu le son du... Bonjour Aerostar, comment que ça va? Là, je suis en train de m'agacer sur une quête qui est pas réalisable convenablement. J'ai un objet translucide que je récupère sur le toit, j'envoie mon acolyte là me le chercher, et il se passe rien. Ça me bouffe. Mais à part ça, ça va, j'espère que tu vas bien, et Rooster, merci à toi d'être là. Ouais, ça va, c'est cool. Mais c'est pas croyable, il le voit pas. Mmh.
Merde! Ah, oh, elle a dévissé, cette nunuche. Un pas de trop. Ou alors ne me dis pas qu'il faille prendre un chocobo pour faire un saut avec et atteindre le toit. Attends, là, il est, non, on le voit plus, il est tombé hors du toit, le malheureux. Mais... Ouais, non, pas cette fois. Je vais sauvegarder et je vais exceptionnellement faire usage d'un chocobo. Pour voir si les chocobos sautent plus haut que la miss et voir si je peux atterrir sur le toit. Mais je... Ah, attends, il était 10h42 quand j'ai sauvegardé. Mais je trouve ça vraiment tordu. C'est... Et puis ces ennemis à la noix là qui apparaissent toutes les 30 secondes. Alors, Choco, aïe hop. On va tester. Alors, j'ai pas l'impression qu'ils sautent plus haut, les loustiques. Ah, si, ils volent! Oh, les salopards! Ah, donc du coup là je peux descendre L1, c'est ça. Voilà. Et là j'ai accès à la cochonnerie. Oh là là. Oh les salopards. Il fallait faire usage d'un chocobo. Après X tentatives, là, je me suis acharné dessus 50 fois, je crois. Tout cumulé avec les dimanches précédents. Et c'était le chocobo qui était la soluce. Bon, mission accomplie. Je vais me barrer dans un portail. Ah, ça fait cher du cœur de graviton, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça, il a accès à la cochonnerie, bien vu. Oh, merde, homme. On avance enfin, 2 cœurs de graviton sur 4. Ouais, enthousiasme, sortez les pom-pom girls, les cotillons, les tout ce que vous voulez. Dur. Non, je méprise ces ennemis. Ils n'existent pas. Je les ai occultés de ma mémoire. Je suis trauma Vietnam, là. Je refuse de reconnaître leur existence. Allez-y, ou... Oh, mais... Un patatage en règle. Venez par ici que je vous démonte. Allez les petits robots, je vais vous mettre en pièce. Bon. Alors, village Orba et Néon Bodom, là, c'est fait. Adjugé vendu. Il va falloir que je me barre. Ouais, dans le cœur de l'histoire. J'ai failli dire les couloirs du temps comme dans Les Visiteurs. Pas l'idée est la même, hein. Academia en 400A. J'avais noté Academia en 400A. Ah ouais. Ici il y aurait un... Ok. Il y aurait mon 3e cœur de graviton sur les 4.
L'aventure chez l'aventure. Bon, je suis... Voilà, re-enthousiasmé d'avoir solutionné le... Enfin, soupir. Et je serais pas désintéressé de faire la... Je sais pas si j'ai accès, mais si, je crois, la version hivernale de... De là où on était, là, le mec qui voulait la fleur rare d'hiver, un équivalent d'un personnage. Mais le mec l'attend en plein printemps, donc il faut jongler dans les saisons. C'est... Il y a de la poésie dans la quête, je trouve, c'est beau. Bon, bref, ce sera après. Ce sera en amuse... Enfin, en amuse-gueule. En bonus tout à l'heure. Si j'ai le temps, on verra quelle heure il sera. Ah la 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 la, c'est une météo de merde. Tout le monde est en PLS, tout va bien. C'est le désordre et la désolation. Sortez les violons. Oui, 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 oui. Ah mon dieu, même le chant c'est celui de la nostalgie. Oui, alors là, j'avais pas compris. Pourquoi je suis bloqué ici, c'est vrai? J'ai les escalators qui sont pas dans le bon sens. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai oublié de faire? Ah non, mais ils sont tous contre moi, là. Les escalators, ils disent « Nope, tu passes pas. » Oh, Noël, t'excites pas tant que ça, va. Y'a que moi qui peut y aller. Oh le pauvre, comment que je le maltraite? Oh, il est à l'autre bout de la rue. Oh là là. Est-ce que je peux demander à Mog de me changer le sens des escalators? Ce serait trop bien. Mog, s'il te plaît, change le sens des escalators. Ce serait cool. Attends, il y a des trucs... Non. Ouais, observons. Donc là, je l'ai dans le... Attends, oui, je l'ai dans le... L'os, mais... Si j'envoie un contrebas Mog, il peut pas changer le sens des escalators pour moi avec le pupitre de contrôle? Ah, le pauvre. Il en aurait eu des beignes aujourd'hui. Ah, merde! Il est tombé hors du balcon, il est tombé dans le néant. Le pauvre, il est tombé un demi kilomètre plus bas. Bon, il y a Noël qui s'excite là, qui fait son footing. Là, c'est une grande entreprise, mais on n'y a pas accès. Ah, oh, mon dieu, je ne suis pas une célébrité, mais sortez-moi de là. Pardon. Ouais, je vais reboire un coup, Nayonette, t'as raison. J'ai mon délicieux café au lait qui m'attend en plus. Tu as raison. Oh là, oh là. Oui, dos droit, oui, c'est vrai que je me tiens penché en avant. Mais, ouais, ouais. Voilà, c'est devant ce paysage, ces appartements futuristes. Je vais honorer la requête. Oula, je n'ai pas vu qu'elle avait fait demi-tour. C'est quoi son autre tenue? Je sais plus. En dehors du maillot de bain, hein, évidemment que... Je vais pas la mettre en maillot de bain comme il pleut, mais... C'était quoi son autre costume? Costume initial. Ah oui, quand elle est en rose bonbon. Ouais, elle est mignonne comme ça. Allez, go. Voilà. Ça change un peu. Honnêtement, là, je vois pas. J
Je finis par douter ici. Je me demande si j'ai pas quitté la zone précédemment en mettant les escalators par manque de bol dans une configuration qu'il fallait pas. Et je suis condamné à pas pouvoir accéder à la zone. Bonjour Christella, j'espère que tu vas bien. Ou alors, il faut que j'accède à l'endroit à la même époque, mais via un autre portail pour être légèrement délocalisé à un quartier plus loin. Ce qui ferait que ça me décongestionnerait de mon impasse, là. C'est... Bon, si on va dire que c'est une énigme à la Final Fantasy, là encore. Il va falloir que je me creuse la caboche pour trouver solution à mon problème. Hmm. Oh là. J'adore le voir s'exciter, le Noël contre l'escalator. Aïe, 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 il va au forcing. Bon, merdoum. Merdoum, merdoum, crotoum. Non, je pense pas que ce soit là. Ça va être par un autre portail qu'on accède à la... Là, c'est cul-de-sac. On est bien d'accord. Là, j'ai une barrière en bas. Donc, sachant que ça, c'est mon escalier d'arrivée avec le portail. J'ai pas d'autres accès nulle part. Ah, oh, merde. Ah. Si je renonce à la quête des miens en 400, il me reste les ruines de Brescia en 5C, la côte de Sunset en 400, mais je l'ai pas la côte de Sunset en 400. Mmh. Le Sunlet, là je dis Sunset, mais c'est Sunlet. Je l'ai en 300, mais pas en 400. Oh, y a des steps aussi qui sont what the fuck, qui sont délirantes. Ah oui, les steps. Il y avait un portail que je pouvais pas activer parce qu'il était scellé de manière anormale. Mais je sais plus... je sais pas comment procéder pour briser le sort de verrouillage. Oh là 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 là, il y a de ces mystères. Puis là, j'ai un fragment sur 6 dans le Mont Yatcha, mais... Le Mont Yatcha n'est pas signalé dans le... Dans les artefacts que je recherche. Ruine de Brescia. Attends, c'est là où... ouais, c'est la vague de froid. Je vais essayer du coup pour le plaisir faire la quête du mec qui voulait son personnage là. Parce que c'est pas... Il me manque le lieu de Sunlet, la côte de Sunlet, mais en l'an 400, j'ai pas débrouillé de portail. Il y a un truc qui m'empêchera dans tous les cas d'honorer la quête des 4 cœurs de graviton. Bon, on en a déjà 2 sur 4. Enfin. On avance quand même. Mais... La suite va être assez...
longue. Ah, ça jette un froid. Hein. Alors, que dit la carte des lieux? Parler à son ami. Ah. Bon, bah, je vais parler à l'intéressé, ou moi je vais faire avancer une quête secondaire. Tuer des monstres, ça fait bouillir la marmite. Oui. Aïe aïe aïe. Alors. Quoi? Lex s'est fait du mauvais sang pour son acolyte qui a disparu depuis un moment. Découvrez ce qui est arrivé à son ami. Ah merde! Je pensais avoir résolu la quête, mais pas du tout. D'accord. Ah, c'est ça la fleur! Là, le truc de la fameuse quête, il veut un pétale d'argent. Ok. C'est pas ce qui nous coûte de faire un aller-retour et puis. Je dois reconnaître le talent du. Je pense que c'est des humains qui ont joué, hein, pas un ordinateur. Mais... J'entends d'une oreille celui qui s'excite aux cordes là. Il a dû jouer du violon, mais avec une frénésie. Il y en a vraiment qui sont doués. Ouais, allez, je vais retourner à l'époque où il fait chaud, le mec va avoir son personnage, au moins ce sera fait. Ouais, il est 11h, ouais. Au moins ce sera une quête secondaire d'honorée, ça me persuade que j'avance. Allez, go. Même endroit, mais 295 années avant. À l'époque où c'était printanier. Donc à partir de là le mec il est
Il est là-bas. Oh là là, ça en fait du chemin. Il y a comme une petite trotte à faire. Alors, je me barre par là-bas. Là, j'ai envie de chanter du téléphone, là. Le bon vieux groupe de rock français. Metro, Citro, tin, tin. Mais c'est une astucieuse réutilisation hein, de la modélisation des lieux. Faire un copier-coller et puis faire en texture une version printemps, une version hiver. C'est malin, c'est malin. De la bonne exploitation, utilisation des ressources pour l'environnement virtuel. Ah merde! Lui, il est parvenu à me mettre le grimpin dessus, il m'a stoppé dans ma course. Il sera donc puni de mort. C'est vrai en plus. Quelle horreur. Bon ben voilà, j'ai une quête secondaire. Trouver cœur de graviton. Oui, c'est vrai que je suis dans un endroit où il peut y en avoir un, mais je l'avais pas trouvé, donc. Ce que je peux aussi essayer de faire, c'est de me barrer par un autre portail. Visiblement, il y en a 4 des portails ici. C'est la folie. C'est le carrefour de l'espace-temps, cet endroit. Vache. Pariez combien que le cœur de graviton est l'endroit que j'ai pas réussi à atteindre là, qui est en Hongrie. Pourquoi, lorsque je vois le chocobo et que je me dis que j'ai encore une zone que j'ai pas atteinte,
Je finis par me persuader que c'est le chocobo qui va permettre d'atteindre cette foutue zone. Qu'il va y avoir un bis repetita dans le... Pourquoi? Bon, bref. Ça me hante dans mon esprit, voilà. Je sais pas comment décrire, là. Non, il peut pas escalader ça. Non, il veut pas. Ah! Cochonnerie! Je suis dans la zone où j'avais jamais atteinte. Saleté de cochonnerie de saleté. C'est quoi ça? Je vois des trucs qui clignotent tout partout. Non mais c'est ça, laissez tomber. Ah! Final Fantasy de mes deux. Il faut être condamné à se promener en chocobo pour accéder à des endroits exclusifs que toi, sur tes deux gambettes, tu peux pas atteindre. Donc il faudrait que je m'amuse à faire pareil dans un autre, une autre époque, au même endroit. Joie! Là, je suis à la limite d'avoir les yeux qui tournent rouges, des cornes qui poussent sur ma tête, et une fumée environnante telle une aura qui est en train d'apparaître autour de moi, là. Je fulmine. What did you? Cœur de graviton de mes deux. Bon, j'en ai 3 sur 4. Incroyable, mais vrai. Alors, attendez, je réfléchis où j'en suis, là, dans... une Choco mes deux, là. Une... Pardon, une vendeuse emplumée. J'en veux une, s'il vous plaît. Je vais voir si je peux racheter des fruits pour amadouer les chocobos. C'est pas comme si, à force de tourner en rond, j'avais pas la chance d'avoir de la tunasse sur moi. Aïe. Je ne sais plus quoi vous dire. Oh, un coup terminé, combat. Le combat a duré 3 secondes. A plus, Dayonet. Merci d'avoir été là. Oui, tu vas faire ta popote, t'as raison. D'ailleurs, faut que je réfléchisse, moi, à ma popote. Elle va peut-être anticiper le chauffage de... Oh, est-ce que je me fais des pâtes à midi? Ou est-ce que je me fais autre chose? Oh, je vais me faire autre chose, je vais me faire des légumes. Je vais varier les plaisirs, je vais me faire des légumes, je sais pas lesquels, mais ça me fera du bien de brouter un peu. Oui, une vendeuse de mes deux, tiens, là-bas. Ah, elles sont terribles. Est-ce qu'elle vend les légumes de... Merde. Si! Affaire, légumes guicha. Je peux en acheter plein, visiblement. Je peux en acheter... Oui, 76 000, je suis riche. Ah oui, oh, je vais me faire un petit stock. Allez, 26, ça m'en fera 30. Allez, je suis fou, je claque 8000. Comme ça, je pourrais faire du chocobo à volonté. Ah, et bah très bien. Bravo, merci, au revoir, à la prochaine. Là. Je me sens mieux. Ah, j'en ai 3 sur 4. Ah, c'est beau ça. Alors attends, il y a Academia en 400 et les codes de Sunset en 400. Alors les codes de Sunlet en 400, j'ai pas, mais
Et Academia en 400, j'ai pas non plus. C'est bizarre. Je suis intrigué. Attendez, je vais me vautrer dans le portail et voyager dans l'espace-temps, là. Ouais. Académie en 400. Académie en 400. Papa, c'est parti, mon kiki. Académie en 400. Eh ben c'est là. Ah oui, mais c'est là où je suis bloqué. C'est la ville moderne où je l'ai dans le... Alors, je vais retenter, mais je pense que j'ai pris le un portail qui va pas. C'est le portail où j'arrive dans la zone cloisonnée fermée. Ah, c'est ballot, ça. Oh, on va retrouver un autre portail où je puisse arriver à la même époque, mais légèrement à un autre endroit, à 1 kilomètre plus loin. Ah, la vache. City Point, une énigme en soi, ça. Bon, mon ego est un peu soigné, rehaussé, caressé dans le bon sens du poil, dans le sens où j'arrive un peu à gamberger et à solutionner mes problèmes par moi-même dans l'énigme. Enfin, les énigmes, l'intrigue. Ça va, c'est... Mais... Hein, bon... Il y a des trucs, il faut le dire, c'est assez tordu. On va pas se mentir. Oui, mais non, c'est le mauvais endroit. Il faudrait que je débarque via un autre portail. Il y en a combien des portails ici, si j'arrive à les voir sur la carte? Je suis un peu inquiet parce que j'ai l'impression que c'est mon seul. Attendez. Je vois bien sur la carte. Pardon, je me penche en avant parce que j'ai du mal à voir la carte. Ah non, il y aura un portail là. Mais comment je fais pour arriver par ce portail? Je m'en souviens plus. Parce que là, il n'y a que Puik, mais... Ah, oh, si près du but. Si près du but. Arr. Ça me rend fou. Là, on voit par mon point d'arrivée que c'est barrière, barrière, barrière. Attendez, je vais minutieusement inspecter la carte quand même parce que... Pardon, je vais pas arrêter de faire ça, mais... Pourquoi je peux pas aller au-delà? C'est vraiment les... Putain, c'est horrible de voir les gens qui gémissent au sol, sous la pluie, ça fait... C'est malaisant. Comment il est représenté l'escalator dans le mauvais sens sur la carte? Parce que si je m'en tiens à la carte, je devrais pouvoir passer, c'est ça qui est gênant. Allez, saute, ouais, tu peux le faire. Oh! Ah, attends! Non! Mais non, mais c'est abusé! Il faut y aller au forcing! Oh là là! Mais Final Fantasy, il faut arrêter! Oh là 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 là. Le mode bourrin est encouragé. Non mais. Oh là là. Barrière psychologique, oui, non, vous avez 4 heures. C'est. Oh là 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 là. Ah bah je connais des ennemis qui vont prendre cher là. Là j'ai besoin de me défouler. Oui, cool comme tu dis. Parce que là je vais vraiment avancer dans l'histoire, mais Non mais c'est tiré par les cheveux, pardon. C'est... J'en reviens à ma fameuse vanne là de la convention de Tokyo qu'il faudrait inventer et interdire des choses à pas faire dans le jeu vidéo. Bah ça, ça en fait partie. Voilà.
Oserais-je dire aujourd'hui, je me transcende, porté par la frustration et vraiment l'envie d'avancer. Mais non, mais ça recommence. Oh, puis l'autre qui est transformé comme un caca sous mes yeux. Oh là 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 là. Bon, il faut que je fasse gaffe parce que ici, les ennemis peuvent être vraiment dangereux. Je sais que j'ai désormais un bon niveau de combat, mais faut pas que je baisse ma garde. Tire un coup de foudre! Aïe! Yeah! 233% de dégâts. Je vais leur patater la gueule. Voilà, leur compte est bon. Larmes de remords. Les malheureux, ils ne peuvent qu'avoir ça. Alors, oh, c'est marrant comme je me sens mieux. Gnarf, gnarf, gnarf. Alors, ouvrant grand les yeux. Mais c'est pas possible, il met 50 milliards de combats à chaque fois. Tiens, oui, on va changer le sens des... Ils me collent au basque, les salopios. Ah oui, tiens, allez hop, j'avais oublié le cactus, qu'on rigole, ta 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 ta. Allez, gros bordel, Japon. C'était votre instant, cactus, pampa. Je suis plus à ça près. Bah oui, ça repartirait dans l'autre sens, allez hop. Pff, je me suis peut-être barré la route, je sais pas. Encore ? Putain, mais c'est pas vrai, il faut que je tue tous les habitants de la ville pour les... Enfin bref. Oh, le petit cri fatal qui va être tout mimi. Allez, vas-y, mon grand. Plutôt, devrais-je dire, vas-y, mon petit. Mais complètement con. J'adore. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette animation? D'accord, j'ai gagné des ennemis bonus. Tout va bien. C'est un guet-apens. Ah, à moi. Bande d'assassins. Service. Où suis-je? Où vais-je? Ouais, je vais aller en face. Oh merde. Ouais, non mais... ils sont pénibles à se...
La progression va être lente. À chaque pas que je fais, j'ai un groupe d'ennemis qui apparaît. C'est quand même terrible. Attends, si je vais par là-bas. Là, il y a quelque chose? Non, il n'y a rien. La le double coup de foudre. Et B. Les gens sont en stress, en panique, c'est la folie. Ouais. Il y a même un portail là. Alors, je viens de là. Oh là 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 là. Où est-ce que je vais me promener moi? Non, j'ai avancé sur la carte, c'est déjà ça. Oh la vache, la ville est tellement immense. Attends, là qu'est-ce que j'ai là? Ah, j'ai un gigaboss! Tiens, 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 je l'avais oublié lui. Je peux peut-être le confronter, le loustic. Ah, je l'avais complètement oublié, c'est vrai. J'étais en situation d'échec parce que j'avais pas le niveau à l'époque. Mais ce temps est probablement révolu. Oui, vu que j'envoie le boss valser dans les airs. Ça se présente de manière tellement différente aujourd'hui. Woo! Avec un petit cri fatal. Oh, c'est tellement mimi.
Oui, c'est ça. Oui, non, c'est la bonne combinaison que j'ai faite. Le petit cri fatal. Je crois que le boss m'a pas encore frappé une seule fois. Et il se prend tellement de mandales dans la tronche que il a pas le temps de riposter. Ah, ça y est. Ah oui, vaut mieux pas qu'il riposte. Merde, elle est morte, Sera. Oh la vache. Oui, alors attends, on va mettre quelqu'un en soin là parce que ça craint. Allez, pampa. Régénération, c'était pas forcément les bons soins. Oh non, mais faut arrêter. C'est pas possible. Plongeon redoutable. Ouais, bon, bah ça va. Le plongeon redoutable, j'arrive à résister. Puissance meurtrière. Ah bon? Bon, là, je peux à nouveau l'attaquer, le loustic. Ah, ils sont morts tous les deux? Ah, merde. Ils sont fait claquer. Ah, ouais, ouais. Alors, défi intéressant à relever. Défi intéressant à relever. J'aime bien la posture de Sera. On fait quoi là? Ouais, en plus je suis au 500e étage. Oui, bien sûr. Oh là 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 là. Réfléchissons. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Inventaire. Est-ce que je peux jouer un truc? Oui, l'analyseur, ce serait bien. Oui, attendez, attendez, je vais me lancer dans la bataille, mais je vais faire un analyseur. Ouais. Ah, il a de la gueule, hein, le monstre. Objet, analyseur, c'est où? C'est là. Alors, il est vulnérable à beaucoup de trucs. Oui, donc c'est forcément un sac à points de vie, un sac à PV, comme on dit. Alors, peut se faire attaquer à plusieurs endroits. est sensible à l'altération d'état de défaillance. Effectue de puissantes attaques physiques. Oui, ah oui, il faut pas. Le corps à corps avec lui, ça fait gros bobo. Ça fait gros bobo. Bon, bah on va voir. Oh la vache. Dès qu'il fait percussion, il faut que je. Non, trop tard. Trop tard, trop tard. Alors, percussion, ça arrive tellement vite que j'ai pas le temps de me mettre en défense. Voilà un challenge intéressant. Non, objet. Analyseur. Est-ce que j'ai cassé son cou avec mon machin? Non, pas vraiment. Ouais, il me prodigue des soins, mais je pense que ça suffit pas. Ah,
Ah, c'est mou. C'est mou. Bizarre. Non, l'ennemi est trop fort là. Ah, Noël y est passé. Ah merde. Noël y est passé. Et là, j'ai porté aucun coup au boss. Je suis en phase de réflexion et observation à la fois. Vache, j'ai failli mourir. À mon avis, la prochaine c'est la bonne. En plus, il fait une altération où j'arrive plus à avoir de la vie, quoi. C'est Noël, est dans un état lamentable. Je ne fais que de la défense, donc je peux pas gagner. Mais... Oh, comment faire ? Ah, le point sismique fait mal. Ah, il a régénéré une pampa. Il a fait fort, la sauce coule à Noël. Comment ça survit ? Ah, le pompa il est mort, hein. C'est pas assez. C'est un truc, c'est la folie. Non, tout seul il y arrivera pas, je suis foutu, mais bizarre. Là, je... Situation d'échec, je vois pas comment je peux surmonter le boss là. Allez, Jack K.O. Serra. Oh non, faut arrêter la déconnade. Sorry.
va coûter trop cher le moustique, c'est pas possible. Le combat va s'inscrire dans la durée, hein. Mais je pars pessimiste. Merde, elle a lâché prise. Un échec. Je peux pas le vaincre maintenant ou pas dans l'état dans lequel je suis. Il faut peut-être que je change des accessoires, peut-être même de stratégie, je sais pas. C'est bon, je vais continuer à tourner dans le sans l'affronter lui. Voilà, moi je me suis rappelé qu'il existait le boss là. Il est vraiment plus coriace qu'il n'y paraît. Et le petit Clifator. Non, pas ça que je voulais faire. Bon, je retire mes écouteurs, pardon, mais la musique de chambre en boucle me gave. D'entendre toujours le même air, là, j'en peux plus. Alors... Oui, alors là aussi il faut y aller au forcing, la bonne blague. Ah bah, c'est pas le pupitre là de contrôle où je vais pouvoir changer la donne. Ouais. Avec un peu de chance, c'est mieux ainsi. Les ennemis, des ennemis partout, c'est... Oh, la vie du carnage.
Ah, attends, je sais plus où est-ce que je veux aller. Ouais, je peux aller en face, c'est tellement grand que... Oh le bordel. On y va au forcing. Voilà la grande avenue. Pff, c'est n'importe. Oh, il y a du monde là-bas. Oh là là, c'est quoi ces émeutes là? Oh le boxon. Mais arrêtez-moi tout ce bazar. De graviton. Ah, il y a des zones que j'ai pas explorées ici, d'après la carte. Attendez. Là, il y a comme un magasin. Non, c'est pas ça. Oh, c'est bizarre. C'est bizarre. Non mais c'est pas vrai. Oh là 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 là. Ils apparaissent en boucle mais avec une frénésie toutes les secondes maintenant. N'importe quoi. Bien.
Non. Mauvaise combinaison de touches. Ah, je suis jamais passé par ici. D'accord. Oui, se transforme. Oh, les malheureux. Bien d'accord que derrière elle, il n'y avait rien de suspect. Ah oui, là, il y a un truc bizarre. Ouais, ça, c'est encore un truc pas résolvable dans pour le moment. Welcome. Non, la chocolina, je m'en fous. Aïe aïe aïe, ils devraient pas être tous les uns contre les autres là au niveau des éléments d'interaction. Oui, bien sûr. Arrête ton baratin, laisse-moi reprendre ma liberté, au secours. C'est une torture. Elle me torture, la miss. Je crois qu'il faille aller plus haut, non? Ah bah, attendez, il y a des escaliers à côté. La facilité. Non, mais je trouve que je fouille mal, mais c'est tellement riche, ça, il y a tellement d'étages que... Dur, dur. Dur, dur, vraiment dur, dur. Voilà, je me dirais que je vais à un endroit, je sais pas où ça mène. Ouais, tu me diras, là, c'est pas mieux. Pourquoi c'est comme ça, ça? C'est quoi ce délire? Chose que j'ai toujours pas faite, mais il faudrait que je passe un jour,
ne serait-ce que la première partie de Final Fantasy, là, le premier Blu-ray, que j'observe le record du monde de speedrun, ça doit être vertigineux. Ça... Attendez. Pourquoi j'ai ces barrières cinétiques là? Ça me perturbe. Merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. Allez, on va faire le petit pompa. Il est fou, c'est rigolo. Le petit cactus tout fou, là. Enfin, petit, c'est ironique. Qui est cyclique en fait. Tu veux gagner de... Message oui, de FunFan 1992. Je vais manger à tout de suite. Et tu veux gagner d'expérience, tu restes là en fait. Tu fais le combat indéfiniment. Ouais, bon appétit à ceux qui passent à table. Ouais, je vais pas tarder à faire ma popote, moi. C'est lourdingue, c'est lourdingue. Ça m'énerve. Là j'ai un stick je sais pas pourquoi il me fait face. Thank you.
Si je passe via l'escalier. Ah, c'est la même zone? Non. J'ai pas... Ah, c'est... Attends. Si, si, c'est la barrière cinétique à la con. Non, non, bah j'ai tourné en rond, là. Je me suis fait avoir. Bon, c'est reparti pour un tour. Ah... Ouais, non, je me barre, j'arrive pas à obtenir ce que je veux dans cette zone. Y a pas d'artefact, rien. Si je me barre, je sais pas, par là-bas. Non, j'y suis déjà allé, c'est la vendeuse de la chocolina de mes deux. Là, il y a aussi des Rix de rue, on va les patater. Such a great team. J'aurais pas fait. Je sais pas comment on fait pour y aller. Génial, mon ennemi, je le vois même pas. Magnifique. Get him!
Bonjour la Jade, petite salade tiramisu, ouais, sympa comme programme à table, miam, 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 bon app tout le monde, bon app tout le monde. Honnêtement, je sais plus où est-ce que je me suis rendu, où est-ce que je suis pas allé. Là, je suis presque en train de errer comme un fou. Au moins, bon, autant le côté redondant des batailles, là, un rythme effréné et japonais est assez chiant, hein, on va pas se mentir. Mais bon, la logique de jeu veut que je cumule de l'expérience, donc voilà, c'est pas perdu. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a un gain. Oh, il va nous faire le petit coup fatal. Le petit coup fatal. Ah, bien! C'est lui qui a eu le coup fatal, effectivement. La classe. Bravo, Tétard Fleuri. C'est son autre code maintenant, Tétard Fleuri. Ça lui va très bien. Ouais, il y a les bestioles là. Oh, ce carnage en ville. C'est le carnage en ville. Ah, faut se méfier des escadrons d'ennemis, hein. On voit quand même que mes barres de vie sont rongées. Hein. Une patate, hein. Ils me font bobo. J'étais déjà venu par ici tout à l'heure. L'endroit me parle. Le balcon avec l'objet isolé. Il n'y a rien de translucide, rien. Non mais à mon avis c'est le boss qui a la clé, ça serait logique. Que le boss en fait incarne le dernier truc mûche que je souhaite avoir. Là on peut pas y aller, c'est pété, on est d'accord, c'est la destruction totale. Ouais, non, c'est vrai qu'on a pas grand chose. Ouais, là il y a des vilains. À l'issue de cette bataille, regardez la carte où j'en suis dans la ville. Je suis désorienté. Ah, on a gagné. Ça, c'était assez rapide. Faut dire aussi, c'est moi qui leur ai mis le grimpin dessus et pas l'inverse. Alors. Et on est d'accord qu'on peut pas y aller, hein, c'est pété, ouais, on n'a pas le droit de. Ouais. Le truc est bousillé, ouais.
donc. Ah, je suis bloqué. Oula. Je faisais du surplace sur un débris. Boxon. Aïe aïe aïe. Donc là je suis ici. Ouais. Ouais, les ennemis viennent d'apparaître là-bas. Et là, c'est vraiment impossible à franchir le truc. Non, j'arrive à les. Bon, on va y avoir la bataille qui va me casser parce que je suis dans le. Voilà. Je suis dans l'escalator, c'est débile. Allez, vas-y voir que je m'excite contre contre-courant de l'escalator en rouge là. Ouais, je reviens à mon point de départ. Ce qui est débile. Attends, c'était quoi la quête secondaire? Apporter les cartes complétées? On va essayer d'atteindre la quête secondaire, rapporter les cartes complétées. Alors, demi-tour toute. Demi-tour toute. On va se barrer. Attends, l'endroit était. Oh merde, j'avance. Hein. Au moins j'avance sur la carte. Tant pis s'ils ont l'avantage dans le combat.
Tiens, je vais commencer par ça. Ça va changer un peu de faire une stratégie. Des doutes. Alors, je suis là. Ouais. Fameux escalator. Le fameux escalator 2002. Et la quête, elle est quelque part par là-bas. Alors, il faudrait que j'essaie de tourner à droite dès que je peux. Ouais, enfin, sauf que là c'est un cul-de-sac, mais... La particule fatale qui fait son effet, hein. Il faut pas le sous-estimer. Le tétard fleuri est un bon combattant dans sa catégorie, mais un bon combattant. Ouais, essayez d'aller. Attends, merde, non, mais je m'écarte du truc. Attends, je suis où? Je suis là. Comment je fais pour revenir? Ah, attends, il y a aussi une zone que j'ai pas faite en bout. Ça va être encore un magasin dont j'ai pas accès. Oui, c'est ça. C'est bizarre. Et puis là, évidemment, il n'y a pas de chocobo pour défoncer la vitrine. Ah, merde, il y a l'escalier à côté. Allez, je suis mazo. Allez, ça défoule, on bourrine la touche, c'est n'importe quoi. Ah. Allez, par pur... comment on dit, par pur... Ah, j'en perds mon teint, dissidence. Merde, mais elle est où la quête secondaire? Elle est où? Je suis en train d'errer dans les dédales du jeu, là. Je pense que c'est encore plus haut. Ça doit être par là-bas. Ah mais non, mais c'est là où j'ai l'interdit de mes deux. J'ai la barrière cinétique qui m'empêche de passer. C'est complètement débile. Attends, pourquoi? Ou alors, c'est... Je serais contraint et ça dit pas son nom et c'est dégueulasse. Je serais contraint de me farcir le boss. Je serais contraint de me farcir le boss. Non, je pense que je suis obligé d'aller par là-bas. Oh, les passages. Là, j'ai une barrière cinétique. Attends, je suis tout proche. Elle est où ma quête? Mais non. Ah non, c'est pas des barres cinétiques. Oh, c'est quoi ce guac? Ça me gonfle. Ah, alors. Quête secondaire. Vous avez donné sur la côte de Sunlight. J'étais justement sur ce fichier. Ah!
Et je peux cliquer dessus indéfiniment autant que j'ai de cartes, c'est ça? Les pics infâmes. Oh là là, magnifique, allez, qui dit mieux? Mmh. Ouais, c'est bien. Et ben, je lui ai ramené deux cartes. Et ben, elle est contente, la madame. À chaque fois que vous découvrez 100% du terrain pour une carte, retournez. Oh la vache. Même les données à priori insignifiantes pour ça va être très utile. Vu le boxon dans la. Hein. Et un fichier en bas, ouais, de la carte. Il est également indiqué dans la description des plans que vous avez obtenus. Ceux-ci sont listés dans la section objets clés de l'inventaire. À moins que le lieu ait subi un changement majeur, la même carte sera utilisée pour toutes les époques. D'accord. D'accord, d'accord. Bon. Là, c'est un cul-de-sac. Oui, merci la Jed. Oui, bah, je viens de boire un coup. Excuse-moi, ça compte pour le. Pour ton hydraté, le sage, mais merci. Mais je vais pas. Putain, c'est pas possible. Je les patates et je regarde où est-ce que j'en suis dans la carte géographiquement parlant. Mais oui, je veux bien revoir un coup, effectivement. Attends, j'aimerais bien mater mon ennemi, qu'on passe à autre chose. Ouais, on se réjouit que l'endroit est suspect. Là, y a rien. Non, il n'y a rien de particulier. Alors attends, je me barre par là-bas. Ah, c'est vrai qu'il y a un portail ici. L'avais-je déjà emprunté? Je m'en souviens plus. Grande question. Observons bien la carte. Je vais aller au bout du truc, aller voir là, que de toute façon c'est un double cul-de-sac. Je repasse par le portail après, moi. Pour voir si je l'avais déjà déverrouillé ou pas. Oh! Mais ils sont chiants! Non, oui, c'est des orientations. Mmh.
Encore. Oh là 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 là, c'est en boucle, c'est pas possible. Avec le hop. Oula, c'est quoi ce Jean-Michel Caméra nous a abandonné. Attends. Oui, non, il y a des gens en panique. Mais... Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Ouais, bah là je peux remettre le truc dans le bon sens. Je suis perdu, il y a le coup de la force. Voilà, pour la prochaine fois que je vais repasser, ce sera plus facile. Putain, il y a déjà un ennemi qui est apparu. Oh là 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 là, ils sont partout. Ils sont partout. Et donc, si j'arrive à l'atteindre, le portail qui a 100 mètres à côté de moi, bah, je vais me jeter dedans, voir ce que ça va donner. Je pense pas que j'ouvre un autre passage. Je pense que ce portail-là a été déverrouillé. On va voir, hein. Qui tente rien à rien, et puis je m'arrêterai là, à mon avis. Si j'ai pas de grosses découvertes, une fois franchi le portail, qui pourrait relancer l'intrigue et mon envie de poursuivre l'aventure, mais je sens que la suite sera dans un autre dimanche. Ça va, j'aurais vraiment bien avancé aujourd'hui dans l'intrigue, dans l'histoire principale. Vous avez ouvert? Ouais, non, je pense que je vais déboucher sur rien de nouveau. Mais c'est pas le portail par lequel je suis arrivé. C'est ça qui est sympa, on va dire, dans la manœuvre. C'est toujours le même tableau de l'espace-temps. Oui, voilà, ça n'a pas... Ouais. Donc, j'étais... Oui, c'était l'Academia 400, c'est ça? Ouais. Et il y a un code de Sunlet à 400, mais je l'ai pas. J'ai jamais dévoyé les... Ah, attends. Attends, il y a un Academia 400 AC, mais il y a un Academia parallèle. Oh, merde. Bon, on va peut-être faire celui-là aussi. Merde. Il n'est pas à exclure qu'il y ait un... Oh, fait chier. Non, on n'en finira jamais. J'ai pas fait la version parallèle du bon endroit à la bonne époque. Il n'est pas exclu qu'il y ait un... Oh là là, mais quel enfer. Mais c'est bizarre le coup du boss. Moi, je garde à l'idée quand même que le boss pourrait cacher le dernier artefact qui m'intéresse, là, de cœur de Trucmuche. Ah, vous de Dieu. Comment se présente la carte ici? Ah, montrer le rapport complété. Ah. Ah, intéressant. Et puis là, c'est une version en paix, je crois. J'aurais pas d'ennemis à... Je suis libre de circuler.
Ouais, donc ça je veux bien le faire. Si je suis libre de circuler, ça va être assez rapide. Attends. Oui, toutes les quêtes. Ouais, non, il faut que je fonce droit devant en fait. Toutes mes quêtes sont droit devant. Pardon. Voilà, poussez-vous, excusez-moi les gens, barrez-vous, je suis pressé. Oust. Du vent. La. Non, je finis par me persuader que le boss, c'est lui qui détient le dernier artefact qui manque. C'est la cerise sur le gâteau, si je puis dire. Il faut le patater pour obtenir le... Alors lui, c'était... Oh, mais il parle mal. Il me bouffe quand il dit des amateurs. Tac. Ouais, c'est pas encore ça, mais ça viendra. Je vais aller revoir Hope. Je serais curieux d'avoir son point de vue sur... Il y a un lieu, je crois que j'avais pas noté. J'en ai noté 5 sur les 6 possibles. Il faudrait que j'arrive à revoir le test et que je repointe... que je trouve l'endroit qui me manque pour le dernier artefact possible. On va voir. Je vais peut-être décongestionner la situation. Donner le cœur. Ouais, je les donne. Hop là, allez, je donne l'autre. Bah, il y a intérêt que vous en fassiez bon usage, elle est marrante, elle. Ouais, on en a 3 sur 4, ouais. On y croit. Encore 2? Ah, il en faut 5! Oh non, je crois qu'il en fallait que 4. Oh merdoum, Chiotoum, il dit quoi, Hope? Refunfan. Oui, ben on n'en est pas là, Hope, on verra ça plus tard. Alors attends, je vais aller réinterroger l'hôtesse qui va me redonner les lieux à visiter aux bonnes époques. Voir les cœurs de graviton là. Oh merde, je crois qu'il m'en fallait 4, il en faut 5. Des salopards. Comme les doigts de la main. Donc finalement, j'en ai que 3 sur 5. Je pense qu'il y en a un qui va mettre facilement accessible. Alors, attends, ça va pas être facile. Oui, merci, tout le monde m'encourage. Ouais. La réceptionniste, vas-y, balance-moi les. Alors, la présence d'un cœur de graviton était quelque part dans la ville d'Academia. L'imagerie par résonance se situe environ en l'an 400. C'est proche de l'époque actuelle, mais elle est plutôt en mesure de localiser la cible. Nous croyons qu'elle existe à une époque perdue de l'histoire, sur une de temps disparue sous l'effet d'un paradoxe. Votre cible porte le nom de cœur de graviton Delta. Alors ça me dérange quand il dit oui, joyeux Noël, tu es une scène. J'avais oublié les émoticônes sapin de Noël. L'imagerie par exemple à environ de l'an 400, proche de l'époque actuelle, mais n'avait pas la division de la pays, bien sûr. Existe à une époque perdue d'histoire. Bah, ça voudrait dire c'est là, au moment où je suis là. C'est bizarre. Alors, la présence d'un cœur de graviton a été détectée quelque part dans les monts Yatcha sur Grand Pulse. Les monts Yatcha. Ah, j'ai pas noté les monts Yatcha. Merde, il me faut un stylo. Ouais. Les monts Yatcha, à quelle époque? Merde, la surface n'est pas bonne pour écrire. Ah, puis le stylo est froid. Les monts Yatcha.
Yasha, voilà, c'est comme ça qu'ils écrivent. À quelle époque, Miss? T'es mon Yasha. 100. On sent assez, d'accord. Ok, ça c'est l'info que j'avais pas. Ok. Ok, ok. Pour récupérer l'objet, vous devez trouver un portail temporel qui vous relie à cette époque. Un tel portail existe, mais uniquement dans une académie alternative. Une académie alternative, ok. Un cœur d'un béton était quelque part dans le village d'Oherba, Grand Pulse. Alors celui d'Oherba, je voulais ramener normalement. Je sais plus. Ouais, Oherba, je l'ai ramené. Ah non, on l'a en 400. Merde, pourquoi j'ai 200? 400. Les monts Yatcha. Les monts Yatcha en 100 truc. Attendez, on est d'accord au niveau des quêtes. Attends, monter le rapport complet. C'est le docteur Maboul là, hein. C'est le même. Celui qui parle mal. Ouais, c'est celui qui parle mal. Oui, non, ça a pas changé. C'est. Ouais, non, d'accord. Je reviendrai bien plus tard. Les monts Yatcha en lançant. Enfin, je vais me précipiter dans un portail temporel. Et cette carte-là, d'ailleurs... Ton rétro pour toi, ouais, tableau mystère, Megrive. Une surprise arrive, oh mon dieu. Ça veut dire que je vais avoir un relais de chaîne et... T'es allé fouiner quelque part sur un autre canal pour... les inviter à me faire un relais de chaîne. Ah, petit Seb, merci, avec 3 spectateurs. Merci, c'est gentil. Bonjour, petit Seb. Bonjour tout le monde. Bah merci, j'espère que vous allez bien ce dimanche matin. Je suis à fond dans les quêtes de... Message de FunFan, 1992. Bonjour et bienvenue à la communauté de PitSeb underscore live. Ah, je vais pas tarder à partir en pause déjeuner, moi aussi, je commence à avoir la dalle. Je vais me faire des légumes avec, je sais pas, peut-être un steak, je pense que ça me fera du bien. Mais je peux encore jouer une grosse demi-heure, là. Oui, bon app, merci. Ouais. Mais là, j'ai une piste intéressante, donc du coup, je suis motivé à rester jouer. Donc, il va y avoir un peu de rap, c'est bien. Oh, je vais faire mes 4 heures de Final Fantasy, finalement. Je vais faire 9h, 13h. Indoscore Live. Relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. Sur la carte bienvenue, d'ailleurs. Bienvenue, ah mince, pardon. Je suis là. Il y a plein de trucs sur les côtés, mais je pense pas que mon artefact soit là. Non, il faut que je me barre par un portail. La. Bon appétit tout le monde et encore merci petit Seb pour le relais de chaîne. On a dit en lançant le mont Yatcha pan. Papa. Di da di da. Les monts Yatcha en lançant bibidi. Non, alors ça c'est en l'an 10, ça va pas. En l'an 10, c'est pas bon non plus. C'est le bon lieu, mais pas à la bonne époque. Ah, en 110, ça doit être là. 110, 100, c'est environ là. Donc là, j'aurai un foutu cœur de graviton qui se promène quelque part dans le décor. Si je pouvais avoir celui-là avant 13h, ça m'arrangerait bien. Là, pour le coup, j'aurais vraiment grandement bien avancé aujourd'hui. C'est cool. Après, il faudra que je réétudie le dimanche suivant comment mettre la raclée au foutu boss qui me fait face.
C'est... Alors, on avait dit qu'il avait un point faible, mais est-ce que j'ai ce qu'il faut pour le exploiter son talon d'Achille? Ah, on verra ça un autre dimanche. Alors, ici... Oh là là, ils sont très colorés, les chocobos. Ah oui, c'est un chocobo sanguine, ici. La carte des lieux, la carte des lieux. Oh là là, je me souviens plus du tout de l'endroit. Ah oui. Bah, j'y vais à d'autres chocobos et puis je vais essayer d'atteindre l'endroit que j'ai pas là avec un vol de chocobos de mes deux. Bah oui, allez, comme j'ai acheté plein de légumes, je peux les amadouer. Là, on va rigoler. Allez, papa. Ah oui, c'est là où les individus sont sphériques. C'est la malédiction complètement folle. Du paradoxe où des individus ont été transformés en sphères. Oh là là, ça me c'est n'importe quoi. C'est du délire total. Il est joli en coloré comme ça. Je pense pas qu'il faille aller là. Je pense pas. Oh là 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 là, on s'y perd vite quand même. Non, là je vais dans des cul-de-sac. Bon, je reconnais l'avantage du chocobo. Attendez. Je me méfie parce que ça fait presque piédestal les ruines. Je me méfie. Hop là. Merde, oui, j'allais dire, là, je suis en train de m'encastrer dans le décor. Oui, c'est par là que j'essaierai bien de grimper. Je sais pas si je peux. Est-ce que je peux le faire avec un chocobo? Là, il n'y a pas beaucoup de côtes là. Je pourrais presque atteindre le. Comment, je sais pas, mais. Allez, faut le monter sur ressort, le chocobo. Boing. Faudrait qu'il ait le don du marsupilami là. Je... Go, go, gadget. Oh merde. Encore une situation débile à déverrouiller. Attendez voir. Je peux pas prendre de l'élan avec un chocobo et puis faire joigne. Oui, merci, le chocobo de Noël est en train de m'enquiquiner pour parler poliment et me masque la vue. Comment on fait pour atteindre l'endroit? Là, on a l'impression qu'on pourrait rebondir sur les rochers pour... C'est un escalier qui dit pas son nom. Oh merde. Presque. Oh, j'y ai cru de voir le chocobo en lévitation. Mais c'est nul. Oh là 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 là. Mais comment vous avez programmé ça? Et on voit qu'il y a un perso qui attend à nous faire la causette. Et on voit bien sur la carte que c'est la partie qui manque de la zone. Mais pour l'atteindre... Ça me bouffe. Bon, pardon, on va se promener un peu ailleurs, tant pis. Faut ouvrir l'œil s'il n'y a pas un truc translucide quelque part. Là, je peux pas sauter dans les gravats, donc c'est débile. Oui, c'est le cul-de-sac de tout à l'heure. Ok.
Là, si je descends là. Ouais. Là, il n'y a rien, on est d'accord. Il n'y a rien de caché. Mais j'aime beaucoup le côté panache des chocobos là, en multicolore, ils sont magnifiques. J'aime beaucoup cette version du chocobo. Ils sont beaux comme tout. Alors, carte. Je suis où? Je vais où? Je fais quoi? Putain, je comprends pas. Il y a que ça qui me manque. Il y a que ça qui me manque. On est d'accord qu'il n'y a pas d'objet translucide à droite à gauche. Là, il n'y a rien. Bah, j'étais chronométré pour le chocobo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai jamais demandé à descendre. Oh là 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 là. Ouais, ils mettent la raquette. Hein. Comment je lui vole dans les plumes au chocobo? Voilà, terminé, plus de chocobo. Oui bah elle toute seule encore moins. Ah hein. Oh, ça me bouffe. M'étonnerait que l'artefact soit en ville. Ce serait vraiment surprenant. Ah je désespère, c'est triste. Oh non, les ennemis. Je vous méprise, bou. Bou, 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 bou. Faire dire à la sphère. Qu'est-ce que c'est que cette quête? Bah oui,
trouver de nouveaux techniciens. Pourquoi pas, tant qu'à faire. I admire your sense of adventure. Steer clear of monsters. That's an interesting weapon you have there. C'est vrai qu'en haut il y avait une autre sphère. Je vais aller voir. Je vais aller voir là. I wonder what kind of person is brave enough to become a guardian. Ah, mais je peux plus rien faire. La sphère est comme morte, inerte. Ok. C'est un brouillard, vent de poussière, je sais pas comment dire. Là, il y a rien caché, je crois pas. Ah ah, il peut pas faire sa vilaine et sauter sur le pupitre. La table de travail. Bon, là, il n'y a plus rien. Ah, c'est condamné. Oh, le box en... Ouais, non, je... They say that the Cirrus was sentenced to severe punishment. Un terrible châtiment. Ouais, non, là, c'est les portails du temps, là. Cœur de l'histoire. On y retourne. Oui. Ouais. Non, je vois pas. Je vois pas. Bon, allez, pour le délire, on se fait une petite course de chocobo. Une petite symbolique pour rigoler et puis clôturer cette session de Final Fantasy du jour. Ah là là là. Oh merde, je crois qu'il en fait que 4 et il en faut 5 des cœurs de graviton. Ça me bouffe. Ça me bouffe. Mais c'est obligé le coup du boss là, que j'arrive pas à patater. Faudrait que je réétudie la situation. J'ai compris qu'il avait un talon d'Achille, je sais plus lequel. C'est quoi ça? Ah non, c'est une chocolina elle. C'est bizarre, elle présente différemment. Attendez, non, elle est trop bizarre. C'est la réceptionniste du chocodrome. Oui, non, d'accord. Oui, non, d'accord. Non, non, oui, oui. Ouais, c'est un écran d'information qui dit pas son nom, en fait. Elle, je sais plus ce que je peux faire. Vendeuse, mais de quoi? Acheter des jetons, échanger des coupons. Ah, Oui, ouais, allez, hop.
Acheter des prix. Quoi? Ah, j'ai 1900. Ah. Ah, c'est rigolo ça. Oh là 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 là. Alors, relève un allié KO et lui évoque 3 boucliers et barrières. Ah oui, que de phoenix, oui, bien sûr. Annule les effets bénéfiques et altération de la tête de tous les ennemis alliés. Oh là là, son de phoenix. Les KO et octroie célérité. Oh là là, putain, il y a de ces machins. Il y a des trucs juste pour la parade, être beau. Enfin, bref. Oui, merci, à bientôt. Allez, petite course de chocobo. Pas assez de PL. Ah, j'en ai 5 des PL. Ah, merde. Alors, des inscriptions, oui, tant pis. Je vais prendre un autre. Je vais faire une autre inscription. Attendez, j'ai plusieurs chocobos, et heureusement d'ailleurs. Inscription d'un chocobo, il me reste quoi? Je sais pas s'il est bien, lui. Il pourra pas participer aux courses, comment ça? Mais oui, oh! Je sais pas, Roche Bombo, Léon Paris 1. Au pifomètre, hein. C'est juste pour le délire. Comment je fais pour mettre la vue que j'aime bien? Je sais plus. Ah oui, c'est comme ça. Je sais même plus comment on fait le sprint. Ah oui, c'est comme ça, c'est la croix. D'accord. Allure très rapide. Ah bon. C'est tal day. C'était tout sauf un sprint, on va pas se mentir. C'était du bluff. Je vais finir mon dernier là. Allez hop, l'autre qui est en train de me rattraper là, le rose. Aïe 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 aïe, c'est une catastrophe. Ouais, mais non, mais il est claqué le bien, c'est même pas la peine. Hein. La pupille dans le jouet là. Ah, c'est Dak qui a gagné. J'avais misé sur Roche Bombo qui a fini 6ème, donc j'ai tout faux. Tout va bien. Ouais! Aïe 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 aïe. Mais oui, que la chance est capricieuse. Allez, j'annule. Je sauvegarde et c'est terminé pour aujourd'hui. C'était bien. On va pas se mentir, c'était bien. Ouais, je vais éteindre la console une fois qu'elle a fini. Ouais, quittez jeu. Mmh.
Eh ben, merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Merci pour la modération, FunFan. Non, je me trompe d'écran. Vous voyez un peu ma tronche. Je reviendrai aux alentours de 14h. Je redémarrerai sur du Spen Lucky. Je reviendrai peut-être un petit peu avant 14h, je sais pas. Le temps que j'arrive à vite chauffer ma popote et à gober mon repas. Peut-être que je serai là d'ici 3 quarts d'heure et pas une heure. C'est bon, on verra. Bon, je garde mes précieuses notes de Final Fantasy sous la main. On va aller voir Momoka, hein, je fais simple. Oui, je pense que j'ai bien orthographié le Schmidbeek. J'aurais fait ouais quasiment 4 heures. J'ai fait 3h45 de. Le quota est largement honoré. Ouais, c'est bon, merci FunFan, merci de la confirmation. Bonne app ou bonne digestion, je sais pas où est-ce que vous en êtes au niveau de la table, mais 100% plaisir, c'est tout ce que je vous souhaite. A tout à l'heure, bisous, merci, on va aller voir Momoka. Faut peut-être que j'active mon navigateur si je veux entendre Momoka faire mumuse. Puis c'est bien, ça va game, à pause déjeuner. Momoka, tch, tch, Momoka, tch, tch. Je te dis, je le fais parce que moi, en fait, là, je me balade et j'essaie de rien. Momoka, Momoka, didudidudida. Momoka, on fait une baston de Wollong que j'ai acheté. À ma gueule. Surprise! Vive les surprises! La 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 la. Bonjour Momoka. Surprise. 这一场对决，我孙策赢定了。Il est partout ce fan, il est omnipotent, le canaillou, et il a raison. Merci d'avoir regardé, suite au prochain épisode. Ciao, bisous, prenez soin de vous.